Bonjour à tous et bienvenue, ravi de vous retrouver en ce mardi 19 juillet. C'est Jérémy Delsol pour votre matinale Admiral. Il est 8h30. J'espère que tout le monde va bien et qu'on va avoir une belle séance ensemble. On va se partager ici, enfin, je vais vous partager ici plutôt, pardon, rapidement le calendrier économique attendu pour aujourd'hui. On va quand même l'actualiser. Je pense qu'on a eu des petites publications depuis tout à l'heure, voilà, côté britannique notamment, avec tout ce qui est nombre de demandeurs d'emploi, taux de chômage. Donc un taux de chômage ici à 3,8, publié à 8h du côté britannique pour l'instant. On a eu du côté CHF suisse aussi la balance commerciale. On va avoir d'autres petites publications ici au niveau de la construction côté européen attendu à 11h, mais ce sera surtout cet après-midi avec les permis de construire et les mises en chantier attendues à 14h30 côté américain. Vous voyez, il n'y a pas énormément d'autres choses. Un discours ici du gouverneur de la BOE Bailey à du coup 17h ce soir, enfin en tout cas en fin d'après-midi du côté britannique également. Et puis sinon, les variations de pétrole brut API tout simplement juste après un discours, juste après, bon, c'est 20h35, 22h30 bien sûr, mais après un discours de la Fed avec Brainard. Donc on a eu des marchés qui ont baissé hier, clairement. On va voir, on a eu de belles réactions sur des bornes hautes, très intéressant à étudier ici. On est toujours dans un contexte, de toute façon, d'inquiétude hein, par rapport justement aux taux. Cette semaine, on va connaître les taux de la BCE qui sont attendus à la hausse aussi. Bien sûr, la semaine prochaine, ce sera ceux de la Fed, etc. Donc ça va s'enchaîner tout ça. On a aussi des résultats qui ne sont pas super super hein, du côté des banques US, des résultats mitigés en fait hein, du côté des banques, du côté du secteur technologique, du côté de l'immobilier également. Donc ça suscite tout ça, bien des retraits et des retraits, quand je dis retrait, bien sûr, c'est de la baisse hein, sur les indices et notamment du coup de l'inquiétude et de la prudence du côté des investisseurs. En tout cas, qu'on soit swing trader, investisseur ou des traders scalpers, hein, il y a une certaine psychologie qui est importante, vous en doutez. Donc c'est pour ça qu'on fait le deuxième volet dès ce soir, 20h-21h, le 19 juillet. Donc ce soir, vous avez encore en fin de compte 11h27 minutes et 13 secondes pour vous inscrire sur ce webinaire-là pour bien préparer sa rentrée en trading. Le webinaire d'après sera déjà concret avec des stratégies. Je vous disais en fait, hein, dès le webinaire d'après, on va démarrer une séquence et une série de stratégies pour débutants, du coup partagées par d'autres traders aussi chez Admirals dans d'autres pays. Je vous partagerai tout ça, je vous donnerai mon avis bien sûr là-dessus, ça promet d'être intéressant. Donc voilà, je vous repartage le lien de ce webinaire déjà de ce soir, une heure ensemble. Donc deux lives en finale pour aujourd'hui, bien évidemment, entre ce matin et ce soir. On va se pencher sur les grades dans un instant. Je vais venir vous saluer déjà sur le chat. Fred qui nous est bonjour, cinquième pouce du Manitoba. Fred, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour le like dès le départ. On est déjà à 24 likes désormais. Ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue à vous tous, du coup, hein, Philippe, bien sûr. On a aussi Rudy qui nous disait justement bonjour à tous et très bonne séance de trading. Sixième pouce, merci beaucoup Rudy, ça fait plaisir. Chris également qui est avec nous, qui nous parlait du neuvième pouce. Bienvenue à toi Chris aussi, c'est top. Nassuf qui nous disait aussi bonjour tout le monde, bienvenue à toi Nassuf, Michael. On a aussi Hubert qui nous disait bonne journée de trading à tous. Je sens que tu as chaud Hubert, hein. C'est vrai qu'il fait en ce moment très très chaud. Damien qui nous dit salut à tous et à toutes. Jérôme, Laurent, Christian, on a aussi Jessie, bienvenue à vous tous. Un grand plaisir de vous retrouver du coup ce matin. On attaque les graphiques, le JP225 qui respecte sa borne haute et résistance clé, les 27 000 points. Vous vous rappelez, on avait eu un beau rebond hein, depuis ici, cette zone support que j'avais resserré d'ailleurs sur les 26 000 directement. Donc même en fait, ici même, hein, directement sur un premier test résistance, on revient un peu autour du prix médian, on rebondit, on refait encore un test de la résistance qui se maintient pour l'instant. Donc par contre, cette nuit, on a vu, hein, et on peut le voir déjà juste avec cette bougie journalière, séance plutôt, peut-être du coup, qui pourra bien se clôturer à la hausse. En tout cas pour l'instant c'est le cas puisqu'on a une open qui est en dessous du prix actuel, mais vous voyez qu'on bute quand même encore et encore, et sur le détail du graphique horaire ça se voit bien, sur la résistance des 27 000 points. Donc ici, cette séance qui a démarré juste là, juste ici pardon, avec l'open, vous voyez on est en train de revenir petit à petit sur le prix d'ouverture justement. Donc on a eu un petit peu de baisse, de la hausse, et on reviendrait autour du prix de départ, donc de la consolidation limitée avec une borne haute et résistance. On va voir si on a ce genre de contexte côté européen. Vous voyez, il y avait aussi le point pivot du jour qui est limité ici, et la zone support S1 de l'autre côté avec le niveau intermédiaire pour moi des 26 800 points. Pardon, alors on passe sur le DAX qui reste limité, et je vous le disais depuis hier aussi, hein, bien sûr, qui est aussi dans un range journalier. Tous les autres indices l'étaient déjà, le FTSE, le CAC, le S&P, le Nasdaq, le Dow. Le DAX était le dernier en fin de compte, puisqu'on était encore jusqu'à présent, avant d'avoir en fin de compte un nouveau rebond ici sur une belle zone support 12 475, qui est maintenant la borne basse de zone de range. Avant ce rebond-là, on était encore dans de la pure tendance baissière journalière. Or, ici, on a le rebond et en plus, on a le maintien désormais même de l'autre côté. Donc, clairement, du range pur et dur entre donc les 12 475 et les 12 950 points. Donc, du trading en range en journalier jusqu'à preuve du contraire.
Ça se traduit comment sur le graphique horaire? On a tout simplement ici, vous vous rappelez, on avait un range aussi à l'intérieur qui avait été cassé par le haut, réintégré, cassé par le bas, réintégré, cassé par le haut. Et on se pose la question à l'heure actuelle, le marché du DAX, car on se pose la question, est-ce qu'on ne va pas encore et encore réintégrer? Cette borne haute correspond désormais avec la zone support notamment des 12 850 points. En rajoutant les points pivots, on va voir ce qu'on a. Aucune concordance directement sur ce niveau-là, mais plutôt suite à la réintégration, on aurait du test S1 avant même les 12 750. Les 12 750 pour moi qui sont intéressants étant la zone médiane de zone de range et le point pivot qui est un petit peu au-dessus de la résistance. Donc là, ce qui se passe pour ma part, c'est qu'à l'heure actuelle, on range un petit peu en attente d'un breakout réintégration de la zone de range précédente ou au contraire d'un breakout haussier pour faire le test du point pivot et encore ces 12 950 points. Donc voilà, on en est. En termes de scénario, tant qu'on reste un peu dans cette zone-là, on pourrait ranger. Je vous avoue que je serais plus vendeur sous les 837 et acheteur au-dessus des 900. Ça va correspondre un petit peu avec ce qu'on a là. Hein. Donc on va, tiens, on va aller mettre ça comme ça. Comme ça, ce sera réglé pour notre séance aussi. Donc voilà les 900 qui sont par là. Et de l'autre côté, ça serait plutôt autour des 837. Donc voilà, ici un petit peu de marge, un petit peu de sécurité. On va juste aller, hop, voilà. Parce qu'avec le watermark, des fois, vous ne pouvez pas sélectionner ou désélectionner les objets. Il faut faire attention au watermark. C'est ce qu'il y a derrière pour marquer le DAX 40 ici, graphique horaire. Donc voilà le range dans lequel on évolue pour moi ce matin. En attente de breakout haussier et de breakout baissier, la baisse sous-entendrait bien sûr la réintégration du range précédent. Tandis que la cassure par le haut nous permettrait de faire un nouveau test du niveau clé en fait pour moi des 12 950. On a été très joliment testé le niveau d'après qui m'intéressait aussi, les 13 050. On en avait parlé lors de la séance d'hier matin justement. Juste avant ça, on a l'AR. Donc voilà le contexte pour moi sur du DAX. Trading en jusqu'à preuve du contraire. On va voir si on est capable de sortir de cette borne haute, de cette borne basse, bien sûr, sur l'open pour faire de belles choses en séance. Ou voir s'il y a du trading en range dans la zone de range même en fait. On part sur le CAC 40, un CAC 40 donc qui était déjà en range journalier, toujours limité par la borne haute résistance 6100 points et zone support 5850, point pivot mensuel qui corrobore la borne haute justement, et très joli test récemment de cette zone. On va avoir aussi ici d'un point de vue horaire ce qu'on a un petit peu sur le DAX en fin de compte, c'est-à-dire un range central un petit peu plus petit, hein, pareil avec des cassures pour réintégration, cassures pour réintégration, et là on est non loin non plus vraiment de cette borne extérieure en fait qui joue déjà support à l'heure actuelle, 6025. Donc là on va voir, on n'est pas dans un trading de range comme vous pouvez comme vous avez pu le voir en fait sur le DAX, on est plutôt sur un mouvement juste de baisse en réaction à la zone aussi cassée mais en fin de compte rapidement réintégrée, et puis en fin de compte on a été jusqu'au test hein, rapide des 6137.50 niveau intermédiaire pour mieux réintégrer le niveau clé. Donc là pareil, soit on trouve du rebond support, soit on a une cassure et ça passe résistance et on réintègre le range précédent. Qu'est-ce qu'on a avec du point pivot? On n'a pas de concordance non plus. On a une concordance si, relative avec les 6062 pour le point pivot du jour. La zone support est un petit peu avant le niveau médian de zone de range 5987.50. Donc voilà, déterminant cette zone en support ou en cassure possible, les 6025 pour moi sur le CAC ce matin. Et si on revient comme ceci, attendu dans un premier temps, cette zone-là aussi, obstacle bien sûr, point pivot au niveau intermédiaire 62.25 en résistance hein, dans un premier temps. On va partir sur du M5 et on va aussi enchaîner avec le FTSE, bien sûr, le FTSE qui était également dans un range journalier prévu entre les 7300 et les 7000. On est aussi limité par le point pivot mensuel non loin de cette borne haute. Le graphique horaire, lui, va nous montrer qu'on a pour le coup déjà réintégré le range horaire dans lequel on avait eu aussi des cassures, réintégration, cassure, réintégration, cassure, réintégration pour le coup récemment ici. Et pour ma part, pareil, on va ranger ici avant l'open en fin de compte dans une zone qui s'établit désormais ici. Entre les 7200 sans trop de peine, hop, on va arrondir tout ça. 7200 d'un côté et 7175 tout simplement de l'autre. Donc voilà une zone, je vais zoomer aussi pour désélectionner. Voilà, le rectangle. Donc une zone de consolidation jusqu'à preuve du contraire, donc c'est-à-dire très certainement l'open avec peut-être de la cassure par le haut ou par le bas. Par le bas, ça serait bien sûr pour confirmer ce trading en range, même si on l'a déjà réintégré, mais en tout cas aller sur les 7155, 7120 bornes basses aussi. Et si on casse par le haut, on confirmera la cassure donc des 7200 et le souhait de revenir sur les 225, voire les 250 à terme. On va regarder si on a des confirmations avec des points pivots. Le point pivot qui corrobore la borne haute, intéressant, la R1 vraiment
sur en fait mon niveau des 7250, la zone support S1 un peu quand même avant les 7120. Donc voilà mes scénarios, en attendant de voir si on a du trading de range dans la séance, du breakout baissier, du breakout haussier, comme ceci, le tout fonction des 7200 et des 7175 points. Ça peut aussi bien sûr ne faire que du range si on a peu de volatilité et peu d'amplitude de mouvement. On va rester sur du M5, on va partir sur les marchés américains également ici. Hop, voilà, j'allais juste chercher quelque chose. Hop, ici. Du coup, je reviens rapidement sur le chat. Damien qui nous dit aussi salut à toutes et à tous. Bienvenue aussi à toi, Damien. Tac, tac, tac. Voilà, Marc qui nous dit bonjour, Jérémy. Bonjour. Pardon, bon trading à toutes et à tous. Je me réveille aussi. Bienvenue à toi, Marc. Du coup, j'espère que tu as bien. NG qui nous dit bonjour à tous. Bienvenue à toi, G aussi. Mineur Graphique qui nous dit bonjour. Bienvenue à toi. Tu nous dis est-ce qu'on peut ouvrir un compte avec Admiraz à partir du Canada, merci. Je suis pas sûr, je t'invite à contacter l'équipe commerciale pour t'en assurer directement depuis le site, à tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Vivi qui nous dit hello tout le monde, bienvenue à toi Vivi, j'espère que tu vas bien. Mike Coy également qui nous dit salut tout le monde avec un like, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien Mike Coy. Allez, on enchaîne avec le S&P 500, également dans son range au journal, il est prévu entre les 3900 et 3750 points, le point pivot mensuel qui est non loin de la borne haute. En descendant directement sur le graphique, on va tout de suite mettre voilà, les points pivots. On a une concordance relative avec la résistance 3850. Zone support S1 parfaite avec les 3800. Niveau intermédiaire pour moi déjà testé, 3825. Et depuis, vous le voyez, on consolide un petit peu ici. Si on descend même sur du 15 minutes, hein, pour ceux d'entre vous qui apprécient les marchés américains dès le matin, vous voyez bien qu'on est dans une zone de consolidation. La touche HS du mini terminal vous aide assez bien quand même à le voir. On va avoir ce genre de zone ici justement. Hop. Entre les 832,50 à peu près et les 845. Donc attention à cette consolidation. Ici, en cas de cassure, on peut avoir une fausse cassure sur la résistance pour mieux repartir, puisqu'on a une résistance point pivot, notamment autour des 3850. Fausse cassure aussi comme ceci, si on vient tester les 3825, pour vraiment y voir plus clair et que ce soit vraiment plus propre, plus tranquille, on va dire, pour vos setups aussi. Attention à ce genre de scénario-là, en breakout aussi et baissier, mais surtout avec de belles confirmations, c'est ce que je voulais dire. On va juste décaler un petit peu ici cette zone de range, quand même sur le Nasdaq pour que ce soit plus lisible. En graphique journalier, extrêmement précis cette borne haute, hein, j'ai envie de dire des 12150 points. Vous allez le voir sur le graphique horaire, on a été pile poil chercher le niveau pour mieux rejeter du coup du trading de range vraiment qui dure et perdure en journalier pour le coup. On est au-dessus du point pivot mensuel qui, celui-ci, se trouve être non loin du prix médian quelque part de cette zone de range. Le graphique horaire nous montre justement l'exactitude du rejet de la zone des 12150 points. Un test, deux tests et on repart même sur ces bougies. Hein. Si on regarde directement sur les bougies, on a plusieurs tests et on repart violemment à la baisse directement même sous les 11950 qui repassent alors bien sûr ici déjà résistance. Si on rajoute les points pivots, vous voyez un petit peu hein, comme sur le S&P, le point pivot du jour qui est sur les 11950 d'un côté. De l'autre côté, on a le point pivot mensuel, là la zone support S1 avec un autre niveau. Mais ce qui se passe à l'heure actuelle, clairement, c'est qu'on va avoir un pop-up du trading de range également ici. On peut le voir aussi plus simplement si on descend sur du 15 minutes pour ceux d'entre vous qui sont sur du 15 minutes et qui attaquent les marchés avec des horizons de temps plus courts, bien sûr. On peut aller y placer ici les 11875, 11925 comme zone de consolidation à court terme sur le S&P 500 qui devrait être cassé si on va avoir de belles choses. Pas besoin de rajouter un niveau ici puisque le point pivot est mensuel et assez intéressant. Vous voyez la résistance du support, la cassure ici, réintégration, support, résistance, support aussi pour l'instant. Donc ce point pivot mensuel assez intéressant pour le coup ici sur le Nasdaq. Donc même principe, attention à des fausses cassures possibles ici puisqu'on a de la marge aussi. On aura plus de billets directionnels intéressants un petit peu comme ceci en fait. On va regarder le dos. Le dos également ici, il était en tentative, vous rappelez, de sortie puisqu'on a une plus grande mèche hein, quelque part ici sur notre séance, sur notre bougie journalière d'hier. Mais en fin de compte, clôture largement baissière, bien sûr, en réintégration et en maintien, je devrais même dire, des 31350 bornes hautes, résistance. Et de l'autre côté, on a le support borne basse des 30500. Donc ça continue de ranger ici sur des marchés indécis pour l'instant. La réintégration, elle est juste ici. Du côté des points pivots, on n'a pas vraiment de concordance à part entre les deux points pivots, le journalier et le mensuel, juste
au-dessus par là, et on travaille autour d'un niveau un peu aimant en fait, hein, les 31 100 points. La même mécanique ici, si on descend sur le 15 minutes, on y voit clairement du trading de range établi sur le Dow Jones 30. Donc attention, pour le coup ici, cassure plus franche et plus directe possible, puisqu'on n'a pas un niveau ici au-dessus et en dessous. Là oui, on a la dernière mèche à surveiller, mais sinon voilà, en cas de cassure, les points pivots avant la borne haute, et en cas de cassure par le bas, le dernier creux, le niveau suivant des 30 900. Voilà mes scénarios sur le Dow Jones 30 pour aujourd'hui. Du côté du gold, on va regarder les matières premières. Je reviens rapidement sur le chat. Siri qui nous dit salut, salut, le DAX risque de descendre. Quelle annonce à la Fed jeudi, hausse de taux. Jeudi, ce sera la BCE, hein, du coup, attendue en hausse des taux, en effet. Josnik qui nous disait, ça a été hier après-midi. Jérém, moi, je me suis fait violenter sur le Nasdaq 100. Désolé de l'apprendre, Josnik, du coup. Oui, ça a été, en tout cas, sur la séance de l'après-midi. Pour moi, c'était vraiment plutôt le Nasdaq, justement, où j'ai fait 2% sur Micro Future. Et sur le Dow Jones 30, le soir, j'ai pris un seul trade, mais il était très beau, puisque ça a enchaîné de mémoire. Je crois que c'était 30 points TP1, 60 points TP2 ou 90 points TP2 et même 125 points sur le stop sur, parce que toute la baisse du dos dans la soirée entre 21h et 22h, j'étais dedans en fait avec un trade. Donc plutôt une bonne journée hier, plutôt une bonne journée hier au final. J'ai pas attrapé toute la baisse par exemple qu'on a eu sur les indices, mais j'ai été prendre les scénarios qui pour moi étaient safe en tout cas. Alors le gold ici du coup en baisse bien sûr. Ça ne change pas en fait, hein, sur ce graphique journalier. Vraiment pour moi, depuis les 1915 dont on avait parlé en cassure, c'était de la baisse. On avait de la consolidation, relance de la baisse tout de suite derrière. Et on est toujours dans ce concept-là, hein, vraiment. C'est juste que sur le graphique horaire, par exemple, on bute de plus en plus sur une zone support clé. Finalement, les 1705 de la lance d'or, test ici, par là, on maintient. Avec donc quand même des fausses cassures de la zone de range, des fausses cassures aussi de l'autre côté, réintégration. Et par contre, récemment, maintien propre, très propre de cette borne basse à nouveau. Donc un trading en range toujours d'actualité. Attention sur le graphique horaire pour ce qui est du gold ici. J'ai un peu élargi un petit peu trop pour le coup. Voilà la zone ici, très pratique, hein, pour éviter d'avoir à remettre les niveaux au-dessus et en bas. Vous élargissez la date tout simplement de votre zone de range. Donc cette zone de range est comprise donc entre les 1705 support, les 1715 résistance, niveau médian les 1710, en train de travailler, de rejeter à court terme le prix. Donc trading range jusqu'à preuve du contraire, borne haute pour borne basse, cassure par le bas à surveiller, cassure par le haut à surveiller, sortir de cette phase là. Quand on regarde ici justement, on a une zone support S3 mensuelle, on a une zone support S1 du jour avec toutes ces mèches ici aussi. Donc attention à des fausses cassures pour réintégration. Il nous faudra vraiment un beau scénario de break ici relativement propre. Et ici on sort par le haut rapidement, sommet précédent R1 avant même l'obstacle suivant et résistance des 1725 de l'once d'or. On va rester sur du M5 et on ira voir ce qui se passe aussi. Mais pour l'instant c'est vraiment le prix médian qui bloque pour l'instant, qui nous entraîne sur le test du creux précédent à court terme sur le gold. On va partir sur le Brent, un Brent qui continue de réagir depuis son test borne basse, zone range, je vous rappelle, énorme en journalier, 100$ le baril par le bas, 115$ par le haut. On a été testé jusqu'à la zone support S2 mensuelle plus bas sur les 95-96 en fin de compte ici, et depuis ça marque le maintien. Donc sur le graphique horaire, ça nous donne quoi? Ça nous donne une réaction dans cette zone-là. On a fini par casser, sortir de la zone de range comme on avait dit, donc je vais pouvoir m'en séparer ici. Et on va être à nouveau, dans une nouvelle zone, hein, quelque part, aussi en range, un petit peu comme sur les indices pour l'instant, mais limité aussi, vous rappelez, par les 108 et les 106 en fin de compte. Pourquoi? Parce que dans le passé, c'est ce qui s'est passé, c'est le cas de le dire, on avait cette zone dont on avait parlé justement live dans ces séances, dans ces matinales de Admiral le matin, et on va avoir du coup ce genre de concept qui se met en place, j'ai envie de dire, c'est-à-dire un trading de range plus limité, et non tout de suite directement en fonction des 106-108. Hein. C'est-à-dire qu'on a un range qui est plutôt resserré sur les 106-50, sur les 107-50. Mais attention du coup à cette cassure très limitée pour le coup aussi, puisque juste au-dessus on a les 108 qui étaient respectés dans le passé, et juste en dessous on a les 106 respectés dans le passé. Donc attention à des fausses cassures comme ceci. Et du coup, hein, c'est vraiment l'idée des fausses cassures ce matin. Vous l'avez vu sur plusieurs actifs, plutôt ce genre de choses-là. On arrive par le bas, on aimerait continuer sur cette hausse. Rebond, borne basse, zone de range. Idéalement, on aimerait pouvoir vraiment, bien sûr, pour spéculer, continuer. Pas pour le prix du baril, enfin pas pour le prix, j'ai envie de dire, à la pompe, hein, de l'essence, clairement. Mais pour le trader ici qui joue le rebond, borne basse, aller jusqu'à la borne haute, pourquoi pas, ce serait vraiment un beau scénario. Donc voilà où on en est sur le Brent.
On va attaquer le forêt. Je regarde la montre, il est 8h49, ça va, on n'est pas en retard. Du coup, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on enchaîne avec le forex, l'euro dollar ici, qui commence à montrer de plus en plus de respiration, c'est bien normal. On s'est approché de la parité, on a même été un petit peu en dessous. Et puis, on a quand même une belle amplitude du coup de baisse cassure depuis le test du prix médian de la zone de range précédente. Je vous rappelle, c'était les 1,0775 par le haut, les 1,0350 par le bas. On a cassé tout ça, on a besoin de respirer. Idéalement, même dans une belle zone de résistance ici pour rejeter le prix ou pour casser et réintégrer la zone de range. Donc ça, on verra plus tard, bien sûr. Chaque jour, hein, ensemble, on regarde ce qui se passe sur ces graphiques-là. Donc on étudie tout ça ensemble, bien évidemment. Mais là, c'est ce qu'on disait, on est dans une phase de respiration, ce qui suscite sur des graphiques horaires, en fait, des tendances haussières. Et c'est pour ça qu'on avait parlé aussi ensemble de cette cassure possible, du coup, et intéressante par le haut de cette zone de range établie entre les 1,01 et les 1,0000, c'est-à-dire la parité donc par le bas, dans le sens où justement ça pourrait aider à respirer un peu plus. Là, on a quand même des obstacles, bien évidemment, on a toujours de la structure sur le marché. Obstacle en train d'ailleurs d'être cassé, les 1,0150. Idéalement, on a un prix qui intervient juste après les 1,0175 pour les 1,02 aussi en obstacle plus haut. Tiens, on va rajouter d'ailleurs les points pivots. La résistance R, hein, qui est pas loin justement du dernier sommet ici des 1,02. Le point pivot du jour qu'on a déjà franchi, on a été soutenu par la zone support S2 mensuelle réintégrée. Donc on va voir si en fait on peut se maintenir pour monter et continuer cette phase de respiration en fin de compte journalière, mais qui décrit une tendance horaire haussière. Voilà, on en est. Et si jamais, bien sûr, on n'arrive pas, qu'on se maintient avec cet obstacle-là à nouveau à ce moment-là des 1,0150, attention à du trading de range possible dans la zone quelque part ici, justement avec cette zone support S2 qui a soutenu les deux derniers creux. On pourrait même l'avoir ici, hein, cette zone, puisque vous voyez, on a déjà un test là, on a des tests ici. Si on a du rejet par là, attention au trading de range. Voilà pour l'euro dollar. On restera aussi sur du 5 minutes pour voir, mais pour l'instant, il est clairement à la hausse. Côté GBP/USD, on est encore, hein, contrairement à ce qu'on a. Enfin, non, c'est aussi de la tendance baissière, pardon, journalière sur l'euro dollar qui continue. C'est la même chose sur le GBP/USD, mais on est aussi dans cette phase de respiration, justement, avec déjà une séance ici haussière, hier également, et pour l'instant, ça veut monter aussi. Donc, on va voir ce qu'on a sur ce détail du graphique horaire. On va rajouter les points pivots. On est au-dessus du point pivot du jour, au-dessus du niveau intermédiaire des 1,1955. Niveau obstacle résistance à suivre, les 1,20 et la résistance R1 au-dessus avec le sommet précédent qui tourneront notamment autour des 1,2030 à peu près. Donc, ça, c'est pour la hausse, bien évidemment. Si ça ne se maintient pas avec ce point pivot, avec ces 1,1955, on a un test du creux précédent à voir. Et je suis en train de regarder, on n'aurait pas forcément ici du trading de range sur le GBP/USD, même si on est possiblement limité par le sommet ici. Mais du coup, voilà, ce serait soit plutôt du rebond ou de la cassure pour le creux précédent et du coup de la respiration plus profonde par rapport à une tendance horaire haussière, bien sûr, puisqu'ici on est à la hausse, hein, sur le graphique horaire, c'est indéniable. Donc on va voir plutôt idéalement pour des scénarios favoris aussi. Voilà pour le GBP/USD, on va rester sur du 5 minutes aussi qui est déjà en train de monter. On a très certainement de la divergence si vous regardez les oscillateurs. L'USDJPY toujours dans sa tendance haussière journalière qui est aussi en phase de respiration. Donc les 136,75, très belle zone support désormais. On va voir si le marché veut revenir tester jusqu'à cette zone-là ou s'arrêter un petit peu avant. Pour des rebonds par ici, pour des rebonds par là. Si on réintègre, attention, on re-rentre dans la zone de range précédente par contre en journalier. On n'y est pas encore. En tout cas, le graphique horaire qui nous montre le souhait de sortir d'une autre zone de range qui tournait autour d'un niveau aimant. Ici, les 138,15 en fait. On est déjà en train de breaker ici à l'heure où je vous parle depuis 8h ce matin. Ça veut déjà commencer le break. Et on a du coup direction, hein, forcément, la zone support suivante, pardon, les 137,50. On a avant même ce niveau-là, le test de la zone support S5 qui est en train de se faire. Par contre, la S2 qui est parfaitement sur ma zone support suivant, donc c'est assez intéressant. Et bien sûr, le point pivot qui est déjà ici cassé. Donc, on ira voir tout ça. Mes scénarios favoris, ben, baissier pour l'instant, toujours dans l'exemple ici de cette respiration journalière nécessaire pour trouver des prix bas, en tout cas un peu plus bas pour continuer la hausse. Hein. C'est-à-dire qu'on a en fait ici tout ça. On va rezoomer un petit peu, c'est pas nécessaire de dézoomer autant. Tout ça, c'est une respiration journalière, donc un retracement en fait en journalier par rapport au dernier grand mouvement qu'on a eu sur du journalier. Donc ça suscite bien sûr de la tendance baissière en graphique horaire. Et plus on descend sur les unités de temps, plus on peut y voir justement des opportunités dans cette tendance baissière horaire, des choses intéressantes en fin de compte sur du M5. C'est déjà quand même pas mal élancé, donc on ira voir s'il y a des choses à faire sur le SDJPY, mais pas sûr. Côté USD CAD, on a réintégré les 1,3025 résistance et on se
maintient toujours avec les 1,28, 52 de l'autre côté, zone support et zone de range hein, quand même intéressante dont on avait parlé. De l'autre côté, légèrement soutenu aussi avec le point pivot mensuel. Donc sortie par l'eau, limitée rapidement par la R1 mensuelle. On teste le dernier creux pour l'instant, donc on va voir si on arrive à rebondir, ressortir comme ça, ou si c'est la borne basse carrément qui souhaite être à nouveau testée et travaillée. Quand on regarde le graphique horaire, on va mettre tout de suite le point pivot journalier avec la touche PVT, hein, les points pivot bien sûr. On est non loin de la borne basse de la zone de range, en réintégration ici, donc pour du maintien attendu ou de la cassure à nouveau. Test des creux précédents et zone support inférieure, les 1,28,50, borne basse justement, c'est le niveau dont je vous parlais tout à l'heure. Mais pour l'instant, borne basse et support jusqu'à preuve du contraire pour revenir sur le point pivot, sommet précédent et même borne haute hein, pour le moment sur l'USD/CAD. Et après, bien sûr, si cette zone casse, attention, zone support S1, dernier creux et ensuite par le bas. Voilà ce qu'il y a sur l'USD/CAD qui n'est pas la plus intéressante pour l'instant, je trouve, des paires forex ici à travailler. Côté point crypto, on a du Bitcoin ici qui retente encore sa sortie au-dessus des 21 500, limité pour l'instant par le point pivot mensuel, toujours en sortie de zone de range qui était établie entre les 18 900 et les 21 500. On a trouvé justement du rebond côté extérieur et pour autant on bloque avec la résistance et le sommet précédent. Devinez quoi, on est en train de ranger tout simplement sur la borne haute pour le moment de la zone de range en fait. Journalière mais en cassure, donc côté extérieur bien sûr, c'est pour ça qu'ici on a bel et bien les 21 500, désormais en support jusqu'à preuve du contraire, c'est 21 500 qui veulent être encore testés. On a un test ici, un test léger pour l'instant ici, mais de l'autre côté on a déjà deux tests, donc clairement du trading en range pour moi jusqu'à preuve du contraire dans cette zone. Attention à une réintégration possible ou à un plus grand breakout aussi. En tout cas, celui qui nous a pas, enfin qui n'a pas attendu on va dire le Bitcoin, c'est bel et bien ici l'Ethereum. On a cassé la borne haute de la zone de range, les 1250. Je vous ai même établi un nouveau obstacle ici, résistance plus haut, les 1700 bien évidemment, puisqu'on est lancé désormais dans un mouvement qui est renouvelé en fait, une tendance haussière en sortie de zone de range, mais on a bel et bien un obstacle qu'il faudra pas oublier, celui des 1700 déjà. Sur le graphique horaire, forcément une belle tendance haussière, on trouve du rebond pour l'instant à court terme sur les 1500 justement, pas de concordance point pivot à part avec le creux, le point pivot ici et notamment une zone intermédiaire 1430, sinon voilà la zone support pour l'instant pour ma part c'est bel et bien les 1500. Attention, zone supérieure 1550, R1 du jour, niveau intermédiaire, au-delà de ça les 1600 et bien sûr en extension la R2 et les 1700. Voilà le contexte vraiment pour moi sur l'Ethereum, plus intéressant à l'heure actuelle même que le Bitcoin. Voilà pour le point crypto, je vais mettre les graphes en place, on va se préparer pour l'open, je vais revenir voir s'il y a des questions aussi sur le chat. Bien évidemment, je vais vous montrer ce que ça donne sur le système Alter en pré-open, tout ça aussi. Allez hop, ici, donc on est dans un range pour le moment, hein, le marché qui se cherche sur le DAX depuis 8h en tout cas, puisque les cotations ici pour moi démarrent à 8h avec le système, c'est un souhait bien sûr. Tendance haussière possible ici pour le moment sur l'équivalent CM1 du DAX, du range sur le FTSE 100, ici on a toutes les cotations de nuit bien sûr, il n'y a que sur le DAX en fait, où j'ai les range concessions. Sur le FTSE 100, c'est bel et bien du range établi comme ça, donc attention, début de baisse possible sur voilà, le CAC 40 pour le moment, le gold qui serait en tendance haussière dans une belle zone de retracement, et on a du GBPVZ en tendance haussière, de l'euro dollar en tendance haussière aussi ici avant l'open. Alors on va remettre tout ça en place, on a une zone de range attention sur le DAX, on a une zone de range aussi attention sur le FTSE, le CAC 40 lui du coup pourrait réintégrer une zone ici s'il continue de descendre sous les 6025, le GBPUSD qui est déjà lancé en tendance haussière, je vous le disais, ça serait bien d'avoir par exemple un retracement, un rebond dans une belle zone comme les 1,1955, pourquoi pas. Et du côté du gold, on avait dit que du coup on serait peut-être en tendance haussière, mais limité pour l'instant. Oui, c'est ça, avec le prix médian de la zone de range. Donc attention avec ces 1710, on teste le creux précédent, mais on est en tendance haussière pour l'instant, mais limité par le prix médian. Après avoir été testé plusieurs fois de manière timide la borne basse, c'est vrai qu'on aimerait un full retour hein, sur la borne haute des 1715. Voilà les contextes à l'heure actuelle. Avant l'open, je vais revenir sur le chat. Michael qui faisait du coup profiter de la baisse du DAX hier. Bravo Michael, ça fait plaisir. Maël qui faisait coucou, bienvenue à toi. Maël aussi. Attends, je remonte un peu, je pense que j'ai oublié quelques messages. Oui, Pomsi qui nous disait j'ai bien marché hier sur le gaz. Bonjour à tous et bonsoir. Bienvenue à toi Pomsi. Bravo ici, dis-moi si tu veux qu'on aille voir le gaz aussi. C'est vrai que c'est pas un graphe que j'ouvre tous les jours. Mac qui disait Jérémy, quel budget minimum faut-il respecter du coup pour les tailles de lot des TP partiels sur le Nasdaq et le S&P? Bon, en fait, tu peux trader à partir de 0,1
micro-lot, tu sais. Donc, si tu veux des TP partiels, ça dépend comment tu veux splitter un petit peu ta position. Si tu veux faire vraiment du 50% ou plutôt te dire, voilà, j'ai trois sorties. Donc, en fait, c'est simple, hein. Si tu veux faire trois sorties, le minimum possible que tu as, et on a déjà des spams relativement tôt ce matin, je vais enlever tout ça. 45 likes juste sur l'open, encore 5 likes et on a le TP à l'open. L'open qui est en train de se faire justement. Mais voilà, rapidement, McCoy, si tu veux faire trois sorties, le plus petit possible que tu puisses faire, bien sûr, c'est du 0,3 sur MT4, hein, puisque sur MT5 désormais vous avez des micro lots plus petits encore, mais sur MT4 c'est pas encore le cas, donc c'est du 0,3 et tu pourras sortir en du coup bah, 0,1 TP1, 0,1 TP2, 0,1 du coup sortie stop suiveur par exemple. Après, si tu veux faire du 50%, ce sera plus complexe, il te faudra plus de contrats pour au moins sortir la moitié. Par exemple, si tu pars sur 0,4, tu pourras sortir 0,2 sur ton TP1 et ensuite 0,1 TP2, 0,1 stop sur. Tu vois ce que je veux dire du coup, McCoy, dis-moi si c'est clair. Tendance baissière possible, on va regarder ça. Mais on est en train de travailler pour l'instant la borne basse, attention. Je fais attention à la zone 1, je vous le disais, des 837, 840, 837. On a un gold qui rebondit pour l'instant, mais il avait démarré son rebond avant l'open. Donc je vais le laisser faire pour l'instant. FTSE 100 qui réagit bien sur sa borne basse, attention, avec les 175 bien maintenus en zone support pour l'instant. Des mèches qui sont en train de se faire. GBPUSD qui continue son rebond pour l'instant. Euro dollar qui est déjà sur les 1,0175. Donc initié bien plus tôt le. Je vais vous montrer ici hein, l'euro dollar qui a démarré pour moi sa tendance haussière à 7h25 ce matin, puisque c'était 8h25 heure de plateforme. Ça range toujours hein, sur le footy, attention. Le DAX qui est également dans son range. Ici, c'est la borne du coup qui permettrait la réintégration du gros range horaire. Dans des classes, c'est la zone de range 15 minutes un hein, plus petite. Vous avez ici en fait. Le footy qui va déjà chercher sa borne haute. On a aussi pas mal de rebonds. Donc un peu de baisse pour mieux remonter pour l'instant. C'est ce qu'on a sur les indices. Le gold aussi qui remonte. Dommage ici que j'ai pas eu ce rebond en séance. Sinon je l'aurais pris. On n'est pas loin du TP1 avec les 1710,2350. Ça y est, le M1 qui repasse sur du range. Qui annule sa tendance baissière pour l'instant. Attention, pour le moment c'est vraiment du trading en range. Didier qui nous disait aussi salut à tous, bonjour Jérémy, heureux de vous retrouver après quelques vacances. Bienvenue à toi Didier, j'espère que les vacances étaient bonnes. Content que tu sois de retour avec nous. Emmanuel qui disait bonjour, bonjour. Vous allez tous, j'espère bien. Bien, j'espère, pardon. Salut à toi Emmanuel, oui ça va, j'espère que toi aussi. Cyril qui nous dit du coup, tu as quoi déjà sur le DAX, vente en dessous 2, avant, dessus, merci. Alors si tu veux, si c'est des scénarios, je suis plutôt favorable pour de la hausse au-dessus des 900. En faisant attention au point pivot 950 et du coup plutôt baissier sous les 837. Après bien sûr faut-il qu'il y ait c'est pas juste une cassure tu vois, il faut-il qu'il y ait une opportunité encore de prendre ce genre de scénario. Si tu veux, je veux pas placer tu vois, des ordres en attente ici d'achat, des ordres en attente de vente. Ça c'est très très agressif, si ça vous donne en généralement pas. Enfin, ça va pas généralement justement vous donner le meilleur prix possible. Michael qui faisait pris position sur le SDJPY assure du coup mon S1 avant 9h. Ça marche. Ah bah c'est bien parce que il avait commencé sa baisse hein, justement avant 9h ici. Donc plutôt intéressant pour le moment sur cette baisse ici. On va aller voir ça. On travaille la zone support S1. On va voir si on a un petit peu de rebond. Michael qui nous dit du coup je travaille sur le M15, ça marche Michael.
Rudy qui nous disait, j'ai pris l'EURUSD 7h22, c'est bien parti, top Rudy, bravo. Et je suis déjà en break-even. Parfait. Parfait, parfait, il est bien parti, c'est clair. Il est déjà trop élancé d'ailleurs pour moi, l'euro-dollar à l'heure actuelle. GBPUSD qui a bien rebondi. Hop, pardon, je vais vous montrer ça là. Bien rebondi ici dans la zone. Ça s'est fait rapidement aussi hein, sur l'open. Le FTSE qui pourrait partir à la hausse. On est au-dessus des 7200, on va voir si ça se confirme. Le DAX aussi au-dessus des 12900, on va voir si tout ça peut se confirmer. C'est pas parce qu'on est en train de tenter la cassure que ça va se confirmer. On peut très bien avoir une fausse cassure, etc. Donc on fait attention. On va surveiller l'USDJPY pour voir ce qui peut se passer. Jérôme qui nous dit hello, bonne séance à tous, bienvenue à toi Jérôme, merci à toi aussi du coup. Vivi qui nous dit bougie de l'espace sur les indices. Yes, hein, ça pousse depuis la réaction. On avait juste été en fait tester la borne basse pour mieux réagir, pour mieux rebondir. C'est qui nous dit du coup pourquoi en 5 minutes le DAX prend presque 100 points. Réaction borne basse, en fait le souhait du coup de voir, si tu veux, c'est pas. Je vais pas te donner une réponse, par exemple, il y a une telle publication, etc. Là, pour moi, c'est plus de la manipulation de marché. On fait le souhait en fait d'aller rechercher des prix bas sur la borne basse pour mieux repartir, tenter la cassure. Donc pour l'instant, on est sur le souhait de tenter vraiment la cassure de la zone de range 15 minutes dont je vous ai parlé sur le DAX, sur le FTSE. On va voir si ça tient. On va voir si ça tient. Le CAC 40 paraît qu'il tente la cassure des 62,25. 62, ouais, 62,95. Mais le point pivot aussi dans la zone. On va prendre une petite vente ici. Je vais prendre une petite vente sur l'USDJPY. Sur graphique temps pour le coup. Alors
Alors si ça peut décaler vers le creux précédent déjà. Alors si vous vous demandez pourquoi sur USDJPY, graphique horaire qui nous montre la cassure par le bas, donc un scénario favori baissier, un petit peu de retracement ici sur la zone. On va voir comment clôture la bougie 5 minutes. Entrée agressive, du coup ça peut bien sûr hésiter un peu plus avant d'y aller. Commence à corriger un petit peu sur le footsie. Un GBP/USD qui veut continuer la hausse. En ligne de mire, on a les 1,20 sur le GBP/USD. L'euro dollar qui est déjà tellement élancé que ça va pas m'intéresser. Je suis en attente de voir ce qui va se passer sur les indices maintenant. Ça hésite beaucoup sur les points pivots en fait, hein. On les retrouve sur le FTSE, on les retrouve aussi sur le DAX, sur le CAC. Bobcat qui nous dit à quelle heure exactement le spread du CAC 40 change-t-il 900, 900, pardon, je vais y arriver, 9h15 aléatoire. Non, c'est toujours à 9h15, ouais. Toujours à 9h15 que le CAC il repasse à 0,8. C'est pour ça aussi que j'attends du coup souvent. Pour prendre des bonnes opportunités, puisque le spread est nettement plus intéressant après. Voilà les 50 likes qui sont faits, merci à tout le monde. On est à 52, 112 participants ce matin. J'espère que tout le monde va bien, que la semaine a bien démarré. Je rappelle que ce soir on a le webinaire Psychologie du trading. Le deuxième volet de cette série Psychologie Trading, bien préparer sa rentrée. Donc qu'est-ce qu'on va voir? On va par où commencer en fait pour bien trader la fin de l'année, comment réussir les challenges qui nous attendent tous en tant que trader et comment s'assurer que le plan de trading est solide et aussi bien sûr bien penser de ne pas recommettre les erreurs qu'on a fait dans le passé, très très important pour avancer dans le bon sens. Malheureusement, le FTSE qui reste limité par les 7200 pour l'instant. Le gold qui reste limité par les 1710 dollars l'once d'or, attention. Voilà, le FTSE qui reste limité, qui marque le rejet. Le DAX travaille encore les 12900 pour l'instant. Sur le point d'entrée pour en ce qui concerne l'USDJPY. Jesse qui nous dit du coup où on peut s'inscrire sur le webinaire. Je te transmets ici directement le lien, c'est sur la page. Tu as le mail ici à rentrer. Hop, et tu peux t'y inscrire pour ce soir. Tu recevras un lien par mail pour nous rejoindre à l'heure, etc. Vous voyez par exemple sur le FTSE, quand je vous dis attention à la cassure, elle n'est pas encore confirmée. C'est du coup pour éviter ce genre de rejet, justement, ce genre de choses-là face à nous qui peuvent, enfin, qui peut susciter des trades perdants malheureusement parce qu'on essaye de prendre la cassure parce qu'on se dit ça y est, c'est bon, c'est parti, on casse par le haut. Non, c'est pas forcément le cas. C'est là où l'agressivité ne paye pas pour moi sur le long terme en trading. Donc, exemple sur graphique temps pour le coup ici, trade agressif. On va voir si ça tient. Pour l'instant, il hésite beaucoup l'USDJPY. J'aimerais un retour au moins sur le creux ici précédent. Et pourquoi pas une target finale sur la zone support d'ailleurs. Les 137,50. 31 pips. Ça retrace toujours plus sur le FTSE, de plus en plus aussi sur le DAX. Pour l'instant, le DAX est clairement à la recherche de tendance, donc attention. Ici, stand-by. On est aussi sur le FTSE 100, mais limité par rapport aux 7200.
Je peux le mettre, hein, ce seuil des 7200, il est là. Donc attention au prochain test à titre de résistance encore. C'est le CAC 40 qui peut être pas mal, mais le CAC 40 il est encore 9h14, on va voir. Et puis il est limité par son point pivot aussi et son niveau intermédiaire des 62. Voilà, ça passe à 0,8 pile poil sur le coup des 9h15. Allez, un petit pips en l'attend pour l'instant sur l'USDJPY. Ça tente de se maintenir sur le DAX, un peu au-dessus des 900. Limité vraiment par ses points pivots en fait, hein, les indices boursiers ce matin, point pivot du jour. Ça hésite aussi pas mal sur l'USDJPY pour l'instant à la baisse. Laurent qui est du coup pris en vente sur le DAX. Ça marche Laurent, je te souhaite que ça fonctionne pour la réintégration de la zone. Est-ce qu'on va avoir des beaux scénarios ce matin? Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. USDJPY qui hésite plus que ça encore. On est venu encore tester au millimètre près de la zone support, ça, on va voir si ça peut casser encore un peu ou pas. Alors Bobcat qui nous dit Laurent encore agressif avec un grand soir, trop agressif sur la vente sur le DAX les gars. Pour moi ouais, c'est plus agressif puisque je suis plus acheteur possiblement au-dessus des 12 900 justement. Michael qui nous dit du coup il ne faut jamais être agressif en trading. Michael qui disait du coup en profit de 1,2% sur le DAX en vente. Ça marche. Top, 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 bravo, hein. Du coup, t'as quand même pris la vente, hein. Du coup, Michael, un peu en contre-tendance. Mais après, tout dépend ce qu'on juge d'être agressif, hein, dans son trading aussi. Bobcat qui disait à Michael, du coup, ouais, ça peut marcher quelques fois, mais sur le long terme. Ouais, c'est sûr que. Mais après, voilà, c'est l'appréhension aussi et l'identification de chacun de ce qui est tendance, contre-tendance, puisque ça dépend des horizons de temps qu'on traite tous, etc. Et aussi de ce qui va être agressif et pas agressif. C'est vrai que. Enfin. On peut y avoir cette subjectivité un petit peu dans le domaine de l'agressivité. Il y en a qui vont dire, oh non, ce trade-là était pas. Ça, c'est pas agressif. Ça, c'est agressif. Il y en a d'autres qui vont dire, ah ben les deux pour moi sont super agressifs. Donc c'est un jugement aussi personnel qui est un petit peu là-dessus, qu'il faut faire attention. Mais voilà. Typiquement, là pour moi, plutôt des achats au-dessus des 19 500, 19 000, des 12 900, même s'il y a une possibilité de réintégration, c'est toujours le process. S'il se passe ça, il se passe ça, etc. Donc, c'est-à-dire, si on maintient les 19 900 et qu'il y a des opportunités d'achat, c'est plus favorable, je trouve, pour de l'achat. Si on réintègre les 19 900 et qu'il y a des opportunités de vente sous ces 19 900 là, voilà, c'est là qu'il peut y avoir quelque chose. C'est pour moi des parades comme ça qu'on met en place, comme ça il n'y a pas d'hésitation, il n'y a que un process en fait. Et un suivi de scénario qui se fait en fait, tout simplement.
tout simplement. Je viens d'avoir le CAC 40 qui a touché un TP1 ici en rebond. Donc je vais pouvoir sécuriser le TP1 du coup qui fait 7 points. On va sécuriser à 7 points derrière. Ouais, j'étais déjà pas très loin, voilà, des 7 points. Donc TP2, on va voir pour un test sommet précédent, pourquoi pas sur les 6076 ambitieux, puisqu'on a ces 62,50 qui bloquent depuis tout à l'heure sur le CAC 40 pour l'instant. Toujours en test des 19 000, décidément, des 12 900, excusez-moi. Mika qui dit voilà, non, ça marche pas sur le long terme. Mika qui dit du coup sur le long terme, ça fonctionne pas justement pour moi. Agacité égale aller contre la tendance, trader l'ouverture ou un événement important, trader quand il y a une forte hausse ou une forte baisse, etc. Ça marche, Mika, yes. Donc on est d'accord, hein. De toute façon, pour moi aussi, la contre-tendance, c'est clairement du coup être plus agressif et c'est moins intéressant. Tu es en M1 ou en M5, nous disait Cyril. Sur quel graphique tu veux dire, Cyril? Parce que là, sur tous les graphiques que tu as sous les yeux, c'est du M5. TP1 aussi, je viens de voir, du coup, ça s'est déclenché et ça a été sur du 7 points sur le FTSE 100. Donc tendance haussière, mais TP avant les 7200, ce qui aide, mais un petit peu agressif pour le coup, un peu plus agressif que si on avait eu vraiment le setup au-dessus. Pour le TP2, je vais tout simplement. Je vais regarder ça. Je vais tout simplement mettre ici sur les 7208, sur le test du sommet précédent aussi. On a du 61,8 de Fibo en extension, c'est pas mal. Je vais continuer de sécuriser sur le CAC 40. Maintenant, je vais risquer plus que 5 points. Décidément, on se fait encore spammer. Hop, je vais faire le rapport. Ah, hop. Réintégration de la zone pour l'instant sur le DAX. Peut-être un petit achat autour des 901, 900 ici. Si jamais ça continue de descendre, par contre, c'est annulé. Je vais sortir un moins 5 points après un plus 7 sur le plus 8, même sur le CAC 40, s'il redescend sur les 55,45. Voilà, je vous montre ça, le CAC 40 ici du coup. Plus 8, moins 5. Du coup, 3 petits points. Et on est en train d'hésiter. Je vais sortir aussi sur le FTSE. Donc le FTSE, ça fera du moins 4 et du plus 7. Donc des petits points attrapés pour l'instant à droite à gauche. Le DAX qui ne peut pas pour l'instant demeurer au-dessus des 900. Donc attention. L'USDJPY qui prend pas mal de temps. Pas mal de temps pour la descente. Ça hésite quand même pas mal. Donc ça range maintenant sur le footy, attention, réintégration de zone de range, bah, plus que confirmé de toute façon. Le DAX qui a du mal aussi, qui réintègre de plus en plus la zone.
J'ai même le DAX M1 qui repart sur une tendance baissière ici. On va voir si on a un petit peu de pullback sur la borne haute pour la tester en résistance et repartir. Vraiment du trading de range hein, pour l'instant. USDJPY qui remonte pour l'instant à l'agressivité, qui paye pas aussi. Hein. C'était une bougie M1. Du coup ici, grosse bougie M1. En gros, tout est relatif. Agressif puisque l'une des premières opportunités, c'est-à-dire que c'est pas la plus safe, surtout depuis un graphique M1. Il est 9h25, on va voir ce que ça peut donner ici. Du coup, on a un DAX qui veut revenir un petit peu, hein. Il va peut-être pas lâcher l'affaire ici, le DAX. On est autour des 12 900 encore. Donc, est-ce que la zone va être traitée en pullback, c'est-à-dire en zone résistance, ou est-ce qu'on va pouvoir repartir au-dessus? Allez, on va voir si ça peut repartir au-dessus des 12 900. On est toujours limité aussi avec le point pivot du jour et la borne haute de la zone de range sur le FTSE. Pareil sur le CAC 40 avec son point pivot. J'ai fait un petit achat tout à l'heure, trois petits points au final entre du coup le stop suiveur du coup négatif et le TP1 positif. Mais du coup, je vais faire attention puisque maintenant on a aussi une zone résistance face à nous. Ah, peut-être un scénario qui va se déclencher sur les 912 où je viens de voir sur le DAX. On a une résistance aussi ici. Si résistance dynamique avec la Big ML qui est rouge sur le CAC 40. Tiens, je vais peut-être être déclenché à la hausse sur le DAX, sur les 912,15, ressortir de la zone, idéalement aller chercher les 928, 928, 928, ou légèrement au-dessus du point pivot, on va voir ça. Pas encore déclenché de toute façon. C'est vraiment les 12 900 qui sont en travaux ce matin sur le DAX. Excusez-moi pour les spams, je vais encore up enlever tout ça. On dit un célèbre, hein, faut voir. Pour que les robots viennent nous embêter dans le chat. Michael qui faisait le problème, du coup je le sais, c'est que je suis agressif, mais je le fais quand même. J'essaye pour me travailler. Du coup c'est comme un manque de quelque chose et qu'on se sent obligé de faire, c'est dur. Je vois ce que tu veux dire, Michael. Comment dire? C'est une réaction humaine, émotive, et t'es poussé si tu veux à le faire, et tu te sens obligé quelque part de le faire. Donc je vois tout à fait de quoi tu parles, puisque j'ai eu ce genre de choses aussi. Scénario, vous voyez ici, qui a été annulé par l'assistant, puisque du coup, la bougie de poursuite haussière n'est plus là. Donc, en stand-by, tout simplement pour moi. Mais du coup, c'est pour travailler ça, il y a plusieurs façons de faire, hein, il y a plusieurs choses à faire. Déjà, que tu peux backtester, parce que même si ton approche est agressive, du moment qu'elle fonctionne dans le temps, voilà, c'est là où ça dépend du degré d'agressivité, hein, justement, de la méthode. Et c'est, comme je vous le disais, c'est le point de vue aussi un peu de chacun, selon le. Selon comment dire le point de vue de chacun, telle ou telle approche sera vraiment agressif, peu agressif,
cohérent, normal, on peut juger ça comme ça, et ensuite bah, on peut dire carrément conservateur. C'est aussi le point de vue de chacun et l'expérience de chacun, mais tu le sais en tout cas, donc ça c'est un bon point. Vraiment ce que tu peux faire de mieux, je trouve, pour t'assurer que ça vaut quand même le coup que tu le fasses, en fait, pour savoir quelque part qu'il faudrait plus que tu sois conservateur, et c'est-à-dire que tu t'empêches vraiment de le faire, ou que tu sois quelque part plus en mode genre je peux quand même le faire, c'est aussi de savoir justement si sur le long terme c'est à quel point du coup c'est agressif, et justement si ça suscite plus d'intérêt à le faire, car c'est quand même gagnant, que du coup à ne pas le faire parce que bah, malheureusement ça entache tes autres trades qui sont peut-être plus conservateurs et donc tes performances sur le long terme. Comme si tu me disais, Michael, il faut être patient. Ouais, ça, la patience, c'est super important. Cyril qui me disait du coup, ok merci je t'en prie. Nazuf qui me disait, est-ce qu'il y a une fonction du coup pour configurer un template de lot avec un stop target quand on aura juste à l'activer lorsque décidé? Alors sur la version standard ici de MT5 avec l'édition suprême par exemple d'Admiral, ici par exemple tu vois, je clique ici sur la touche CTRL de mon clavier, enfin je maintiens je veux dire la touche CTRL de mon clavier en cliquant dans l'espace lot, tu as cette petite fenêtre qui s'ouvre et tu peux par exemple dire que tu veux risquer je sais pas 25 points, 50 euros. Tu peux paramétrer ici les lots et tu vois que tu as déjà deux lots. Ensuite, ton stop, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends direct une position ici, du coup, hop, je vais vous montrer ça. Ouais, stop ici sur le. Hop. Justement, stop sur le. Hop. Ici, il y a eu le petit scénario qui s'est mis avec un prix légèrement au-dessus des 900 et les 912. C'est reparti direct, donc réintégration. C'est la baisse ici qui a plutôt fonctionné avec le M1 qui était déjà lui orienté sur de la baisse. Donc, un stop ici sur le DAX pour moi ce matin. Après quelques petits points pris sur le FTSE, pris sur le CAC 40, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, ça se maintient en zone de range. Donc là, si tu veux, quand tu prends un trade, par exemple, tu as déjà automatiquement un stop loss qui est placé, qui va respecter ton risque souhaité et qui, du coup, qui correspond à deux lots pris sur le marché. Ensuite, tu peux mettre directement un TP, justement. Donc après, tu n'as pas de TP partiel directement placé. Par contre, tu as un TP fixe et unique. Donc si tu places loin et que pendant ta position, tu vas sur la roulette bleue, tu fais sortir fermée partiellement, tu vas pouvoir du coup tout simplement avoir cette sortie partielle fait manuellement pendant ton scénario, pendant ton trade. Tu vois ce que je veux dire? Vivi qui nous disait du coup, l'euro USD reprend des couleurs depuis la semaine dernière. Yes, la parité, hein, la parité qui fait rebondir. Oui, on a même franchi le seuil des 1,0175. Yes. GBPUSD qui continue de monter, mais il monte en flèche. Hein. Il monte en flèche le GBPUSD ici. Déjà sur l'extension 100% symétrie de marché. Maintient toujours hein, des 6062 aussi sur le CAC. Et trading de range aussi sur le FTSE bien sûr. USDJPY qui remonte même jusqu'au seuil des 138. En testant vraiment la borne basse de la zone de range. Cassé bien sûr. Toujours dans mon scénario baissier, puisque le stop est placé au-dessus, sur les 138,5 pour l'instant. De plus, une entrée agressive qui ne nous donne pas toujours le meilleur prix d'entrée, clairement. On va voir ensuite si on a quelque chose de plus conservateur depuis le test des 138. Peut-être pouvoir pyramider à la baisse sur l'USDJPY. Christine qui nous disait, bonjour à tous, bienvenue à toi Christine, tu nous disais, c'est la même chose en démo ou en réel, je viens de réussir mes trades en démo, du coup je vous suis tous les jours, je suis heureux de vous suivre Marc. Du coup c'est Jérémy hein, ici Christine, mais attends tu nous disais, du coup c'est la même chose en démo ou en réel. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que du coup tu es capable de faire les mêmes choses en démo qu'en réel? La réponse est oui, hein, ça dépend juste de ton appréhension, puisque la seule chose qui va changer, c'est les émotions et le comportement humain quand un trader passe d'un compte démo à un compte réel. Nassuf qui nous dit oui, je comprends, mais est-ce qu'on peut sauvegarder? Non, tu peux pas, non. Non, tu peux pas avec le mini terminal.
On doit reconfigurer à chaque prise de position. Alors, pas à chaque prise de position, tu vois, tu peux le laisser comme ça. Mais des fois, c'est vrai que quand tu vas réouvrir ta plateforme, il va se remettre à zéro. Des fois, il va rester, tu vois, comme sur le footy, puisque j'ai pas paramétré ce matin. Mais des fois, il va. Je crois que j'ai pas paramétré le footy. Mais des fois, il va se remettre à zéro. Ouais. La baisse qui continue ici. La tendance baissière sur le M5, sur le M1 aussi. On est déjà sur des extensions 161,8 de Fibo, attention, sur l'équivalent CM1. Rudy utilisait Euro haut de montée en flèche aussi TP1, TP2 réalisé et maintenant stop sur. Bravo, bravo Rudy. D'accord, merci nous dit Nassuf. L'euro, on peut aller voir si vous voulez. Dites-moi si vous avez d'autres actifs que vous voulez qu'on regarde. On avait parlé de l'euro JPY, l'euro JPY avec ce double top ici, même triple hein, limite. On a marqué la réintégration de la zone de range. Donc c'est plus une sortie par le bas pour changer la tendance, c'est du trading en range d'actualité et de retour ici. Puisqu'on a du maintien, cassure et ensuite on repart sur de la tendance haussière. On avait regardé NIO aussi, NIO qui est dans son trading de range en weekly, attention. On a quelques petits points entre le FTSE et le CAC, par contre un trade perdant sur le DAX qui n'a pas voulu du coup tenter la suite au-dessus des 12 900 qui a plutôt marqué la réintégration. Et déjà 9h36, on est à 64 likes pour 112 participants. N'hésite pas à liker et à partager un maximum pour qu'on soit live, bien sûr, tous les jours de 8h30 à 10h. Ce soir, on a un webinaire spécial aussi. La semaine prochaine, on a le FOMC aussi. Cette semaine, on ne pourra pas faire la BCE ensemble, du coup, jeudi. Par contre, la semaine prochaine, pour le FOMC, on sera live. Ou tiens, dites-moi si vous. On peut en faire un des deux. Dites-moi si vous préférez la BCE à la Fed. Tiens, on va faire un petit vote. On va faire un petit vote ici. Ouais, voilà, petit pôle de questions qui est lancé dans le chat ici. N'hésitez pas à répondre. On verra si on fait du coup la BCE. On fait souvent la Fed, hein, c'est vrai. Donc peut-être pour changer les plaisirs, pourquoi pas. Retour sur le prix d'entrée pour l'instant sur l'USDJPY. On est déjà sur le test des 850 sur le DAX. Donc pour l'instant, stand-by pour ma part. Pas de copie pyramidée encore sur l'USDJPY. Le gold hein, qui est toujours et encore face aux 1710 $ l'once d'or. Il y avait du rebond intéressant quand même pour trois bougies ici. Le DAX qui va aller jusqu'au 837 peut-être. Hein. On est sur les 50, mais on peut aller jusqu'à la borne basse des 837.
Alors je vais regarder ici le résultat du poll pour l'instant. Dax qui veut déjà tester 850 encore. Du coup, la Fed à 73% par rapport à la BCE, ça marche. 26 votes, hein, vous pouvez y aller pour me dire ce que vous préférez. Aussi, Rudy qui disait la Fed, hein, pour moi. D'accord, merci, nous disait Nassuf, je t'en prie. Nikkei qui disait du coup, toutes les paires de devises ont bondi en même temps vers 9h30. De toute façon, perso, je suis sur l'OJPY à l'achat. Ça marche, Michael. J'espère que ça se passe bien. Moi, toujours sur le point d'entrée, hein, finalement, sur l'USDJPY. Pas de solution pour pyramider un petit peu. Donc en stand-by. Ruben qui disait EURUSD, ça pousse fort. Ouais. Non, grosse réaction. Mais ça a démarré tôt. Hein. Ça a démarré tôt à 8h40, le break ici et la hausse. Mais ça pousse fort. Hein. Ça pousse fort. Des grosses réactions depuis justement la parité. Mais Katie, si tu peux me dire ce que t'en penses, Jérémy, au passage de l'OJPY. Yes, pas de souci. Pas de souci, l'OJPY, on va aller voir ça. Hop. Donc d'un point de vue daily déjà ce qu'on a, on va rajouter deux trois petites choses. Voilà. D'un point de vue daily ce qu'on a, c'est qu'on a eu des tests multiples ici sur les creux précédents, cassure par low pour l'instant, mais pour autant on peut être rapidement limité en daily hein, par rapport à du 95-30 par exemple. Donc une zone obstacle qu'il faudra pas oublier, 95-25 même, mais cassure par low, donc un biais directionnel plutôt haussier d'un point de vue journalier déjà. On va avoir d'un point de vue justement horaire ici, on va rajouter les points pivot, tout ça. On va avoir de la hausse justement après des tests des creux précédents ici, très joli, puisque testant une zone, hop, voilà, je veux dessiner, c'est là. Testant une zone qui était résistance, résistance qui passe support, 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 du rebond. On fait déjà le test du sommet précédent et là on est même sur le break et la cassure. Ça c'est plutôt bien. Justement, on va retrouver en fait l'AR2 non loin de là, l'AR3 qui sera en concordance avec les 95-25. Donc si on veut précisément les 25 sont à peu près par là. Donc tu vois, ouais, résistance qui concorde la R3 avec du coup ce seuil qu'on a trouvé facilement depuis le daily, les 95-25. Mais ouais, scénario aussi, donc on va peut-être avoir de la respiration comme ça et de la poursuite, sauf si on a vraiment un mouvement assez franc et directionnel. Là, je m'arrête hein, concrètement du graphique horaire. T'interviens peut-être encore en dessous, Mickaël. Mais dis-moi en tout cas si l'analyse ici te conforte par exemple. Mika, du coup, je suis aussi en short ouvert sur le dollar index depuis hier. Ok, ça marche. Ok, merci, nous Mika, je t'en prie. Walken, qui disait, ces derniers jours, semaine, le DAX, il sait vraiment pas où il va. C'est incroyable. C'est vrai que c'est pas les meilleures séances hein, sur le DAX à l'heure actuelle. Déjà hier, je crois. La semaine dernière, je crois que ça allait déjà mieux. Hein. Il y avait des scénarios sympas. Si je dis pas de bêtises, il faut que je regarde les replays, enfin, les images replay que je mets. Mais il y avait d'autres actifs, je crois, ici la semaine dernière aussi. Ouais, la semaine dernière, il y avait des ventes sympas. Plusieurs ventes, hein, vraiment tout au long de la semaine. C'était plutôt une bonne semaine. Vous avez les replays, bien sûr, hein, sur la chaîne ici. Vous pouvez tout retrouver. Vous avez aussi le replay du webinaire précédent sur la psychologie. Ah, je viens d'avoir une alerte. Hop, ici, le TP1 qui a été touché pour le. Je vais le laisser là d'ailleurs. TP1 sur le FTSE 100 en vente pour jouer le scénario de trading de range avec 6, quoi, 6,5 points. Ouais, 6 points. Je vais sécuriser à 6 points. Et on est à une bougie de faire le TP2 qui sera bah, pour le coup deux fois plus grand quasiment. Ouais, voilà, avec 14 points. Ah, j'ai été un... Ouais, 6,5 points. C'est pour ça que ça fait à peu près du 13,5. Yes, 14. Un scénario de vente sur le FTSE 100 pour jouer le scénario de trading de range. On est en train de même vouloir casser par le bas hein, pour l'instant sur le DAX, attention. Alors quelle heure il est? Il est 45. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de pyramider un petit peu tout ça. Encore quoi, 20 points, 20 pips.
essayer pour un mouvement rapide. Hop. Une petite heure en attente, tu as 137,79. J'aimerais bien les 70 là, déjà pour sortir de mon premier short ici sur l'USDJPY. Rudy qui dit de mon côté 9h45, le DAX M1, M5, M15 convergent les unités de temps pour un signal validé de baisse sur Ichimoku. Ça marche Rudy, merci pour le complément d'info. Attention quand même à cette borne basse des 12 837. Je vais sortir à break-even sur du coup, le reste de ma position pour 6 points, 6,5 points net sur le FTSE 100 puisque ça commence à hésiter aussi. Donc plus de position ouverte sur le système, position ouverte sur le graphique temps ici USDJPY initial depuis tout à l'heure. Et là on en a une en attente maintenant autour des 137,79. Cyril qui nous disait la tendance journalière sur le DAX reste baissière. Non, on est en range. On est en range. Regarde, sur le DAX, on n'est pas dans de la tendance. On est dans du range. Donc on est flat. On arrive d'une tendance baissière, oui. Mais là on est dans du range et on est proche d'une borne haute. Résistance notamment des 12 950. On a d'ailleurs été retravaillé un petit peu ici. Il est 9h47, je vous rappelle que les mardis, je dois vous quitter un petit peu plus tôt que d'habitude. Donc à 50, on fait le petit point marché pour le reste de votre journée. Et on se quittera à 55. On se retrouve de toute façon ce soir, 21h, pardon. Ça, c'est pas le même rendez-vous. 20h, 21h justement pour le webinaire Psychologie Trading, comment bien préparer sa rentrée. Je vous repartage le lien si vous voulez. Je regarde aussi du coup, mais vous êtes plutôt majoritairement orienté sur la Fed. Donc on fera le webinaire, le live, pardon, Trading Fed la semaine prochaine et pas cette semaine sur les taux de la BCE. Laurent qui disait BE, pardon, pour moi, deux trades sur le DAX perdu, deux gains sur le Dow et le Nasdaq. Ça marche, Laurent. Du coup, ouais, bah, voilà, ça s'équilibre, break-even, donc c'est pas plus mal ici. J'ai pas regardé, je vous avoue, le Nasdaq, le Dow, mais pareil, hein, ça se limite dans du trading de range. Hein, vous voyez les zones qui sont respectées aussi, les zones dont on avait parlé, notamment plus précisément sur le M15 de chaque actif. Pas de relance pour l'instant. Je vous avoue que vu l'heure, je vais me placer break-even tout simplement sur ce trade-là. Et de toute façon, je vais aller annuler le renfort, il faudrait que ça parte vite et rapidement sur les 75, mais je vais peut-être voilà, me mettre comme ça, parce qu'il y a le spread aussi à prendre en compte. Je pense que je vais annuler le scénario même ici, puisque il est 9h49. Hop. Allez, je vais sortir. On va faire le petit point marché. Le marché qui n'a pas voulu se développer assez rapidement pour cette séance. Le DAX, hop, ici en graphique horaire. Donc, toujours dans cette zone délimitée par vraiment ces 12 900 par le haut. Pour ma part, même la mèche hein, ici ne remet pas en cause pour moi la zone de structure. On a les 12 837 de l'autre côté. Attention, donc toujours les mêmes scénarios. Je vous le disais, attention à des fausses cassures aussi. Mais là, si on casse pour le coup par le bas, on confirme sous les 850 en plus des 837. Et du coup, réintégration plus probable de la zone de range ici. Par contre, bien sûr, si on ressort par le haut, attention encore une fois à ce point pivot, à cette zone de résistance clé des 12 950. Il nous faudrait limite ce genre de choses pour avoir des scénarios beaucoup plus propres et beaucoup plus intéressants. Du côté du CAC 40, on va remettre tout ça sur un graphique horaire aussi. On a réagi sans pour autant toucher directement les 6025, mais on a réagi en support pour venir chercher du coup l'obstacle. Et je vous avais dit hein, que possible obstacle 6062, on pouvait réagir en rejet. Pour l'instant, c'est ce qui se passe hein, à l'intérieur même de cette bougie horaire. Donc attention, tant qu'on n'arrive pas à sortir d'un côté ou de l'autre, on a du support ici, on a de la résistance ici et ça bloque. Ça c'est pour le CAC du côté du FTSE 100, on est toujours dans la zone aussi délimitée par les 7 200 par le haut, point pivot aussi au passage, borne haute d'une zone de range beaucoup plus large aussi, et la borne basse pour moi c'est les 175, donc on a vu du maintien très très propre sur la zone, donc en cas de cassure et intégration plus que confirmée, puisqu'on sera déjà
proche des 155 en 4K sur Parlo. Là, ce serait intéressant pour bien sûr progresser sur les 225-250. Donc attention, toujours pareil, je suis plus favorable sur de la hausse encore ce matin même sur le FTSE 100. Le CAC, le DAX, pardon, qui se remet beaucoup plus en hausse, mais le FTSE 100 qui reste pour moi encore beaucoup plus haussier du moment qu'on franchit bien sûr les 7200. Du côté du S&P 500, ça va être la même chose, je vous le disais, avec ces zones qui restent délimitées et toujours présentes et actives en fait, hein, 3845 par le haut, 3832,50 par le bas. Le Nasdaq 100, ça va être la même histoire avec les 11925 par le haut, les 11875 par le bas. Le Dow, la même histoire également en fonction des 31130 par le haut et des 31050 par le bas. Donc voilà, plutôt cohérent et simple ici le contexte à l'heure actuelle. Du rebond depuis la borne basse, mais on bug toujours sur le prix médian des 1710 $ l'once d'or sur le gold. Du côté du pétrole, on tente la sortie, mais on s'arrête pour l'instant sur le test des 108 $ le baril. Et du côté du forex, ça pousse sur l'euro dollar. Fallait se lever tôt pour attraper la hausse ici ce matin, je trouve, sur l'euro USD qui franchit même la R1 et les 1,02 pardon, et qui progresse pour l'instant même à l'hausse. Donc attention à voir si cette zone peut se maintenir en support, car s'il est réintégré, on aura des tests inférieurs à faire, des tests plus bas. Du GBP/USD aussi est lancé, qui fait déjà le test, voilà, de sa zone résistance clé des 1,20. Donc toujours orienté sur de la hausse qui correspond à la respiration du retracement journalier, comme je vous l'avais dit. Au final, ça commence à partir sur l'USD/JPY. Bon, c'est comme ça, de toute façon, on s'arrête sur la fin de séance. J'aurais atteint mon TP1 des 75 ici pour le premier trade. J'aurais été déclenché sur le deuxième trade. Et le deuxième trade, ça m'aurait fait 5 pips. Ouais, il faudrait quand même un petit peu plus, histoire de faire du ratio. Minimum, hein, puisqu'après il y a du TP2, il y a du TP final, là, comme par exemple sur la zone support S2 des 137,50. Mais ça aura pris du temps en tout cas. L'USD/CAD toujours sur le test de sa borne basse. Et sinon, côté du coup du Bitcoin, on est toujours dans du trading de range avec du soutien désormais sur les 21 500 d'un point de vue horaire et l'obstacle résistance borne haute, les 22 600. Donc voilà par rapport à ce petit point de marché. J'espère que la matinée a été bonne pour tout le monde aussi, bien sûr. Que la semaine se passe très bien également. On va voir bien sûr ce qui se passe cet après-midi. On reparle de tout ça un petit peu ce soir avec notre volet sur la psychologie en trading. Mais aussi, surtout, bien sûr, dès demain matin, où on verra l'évolution de ces mêmes scénarios, bien sûr, qu'on a eu ici. Laurent qui nous dit à ce soir avec plaisir, Laurent. Du coup, Mickaël qui disait ça marche, je serai là. Parfait, Mickaël. Avec grand plaisir. Jérôme, moi, là, qui nous dit bonne journée, bon trade. Merci à toi aussi, Jérôme. Rudy qui nous dit merci pour cette belle séance, Jérémy. Excellente journée à tous et à ce soir, certainement. Avec plaisir, Rudy. Très, très bonne journée à toi aussi. À ce soir, Emmanuel qui nous dit merci Jean-Yves pour tout, tu es un mentor pour moi, un grand merci pour ton message Emmanuel, ça fait vraiment plaisir, merci d'être avec nous aussi, bien sûr, n'hésite pas si tu as des questions pendant ces lives, c'est fait pour, Mickaël qui nous dit bonne journée et à ce soir, avec plaisir Mickaël, du coup à ce soir aussi, 80 likes, on est à 20 likes du TP décembre et un peu moins de participants, je pense que les vacances jouent aussi, bien évidemment. Mais en tout cas, toujours autant de plaisir à passer 7h30 avec vous chaque matin. On va continuer bien sûr tout ça dès demain matin, 8h30, 10h. Ce soir, le webinaire de 20h à 21h. Je vous reglisse une dernière fois le lien. Du coup, hop, ici, vous avez déjà le replay du webinaire précédent aussi sur la chaîne YouTube. Vous pouvez le regarder si vous voulez. Je vous glisse aussi rapidement le lien puisque ça se suit, hein, bien évidemment. Il y a une certaine logique. Vous pourrez le voir. Donc, je vous glisse là aussi le webinaire de la semaine passée. Nassouf qui nous dit merci Jérémy et bonne journée à tous, à toi aussi Nassouf, merci beaucoup. Et Pansy qui nous dit merci, bon trade à tous, à toi aussi Pansy. Voilà, très bonne journée à tout le monde, excellent trading à ce soir. Je vous dis à ce soir du coup pour parler psychologie en trading live dans un webinaire d'1 heure, de 8h à 21h. Très bonne journée d'ici là et à ce soir.